Mercredi, c'est ciné. Ah, d'ailleurs, c'est l'ouverture aujourd'hui du 3e festival du cinéma et musique de films de La Baule. Alors, direction la côte, si vous le voulez bien, pour vous donner les points forts de ce tout jeune festival qui rend hommage cette année au compositeur Lalo Schifrin et à l'acteur Steve McQueen. Et on commence par revenir sur cet artiste hollywoodien de légende, c'est Lalo Schifrin Dolores. Oui, Hollywood vient à La Baule. Lalo Schifrin, c'est le compositeur et auteur, entre autres, de musique bien connue de l'inspecteur Harry, du générique initial de la série télé Starsky et Hutch ou bien de Mission Impossible. Ou de Bullitt, également, dont la voiture mythique étant une de l'affiche du festival cette année. Avec Steve McQueen, on a aussi à Schifrin la mélodie du film The Fox, réarrangée par Pierre Bachelet pour la pub de collant Dim. Bonjour Dolores. Et là, on se souvient tous de la... Des collants. La femme en collant surtout. Oui, et voilà pour le Ennio Morricone de l'Amérique du Sud. À travers ses artistes, hein, Schifrin et McQueen, c'est le cinéma policier américain de la fin des années 60, début 70, qui sera donc mis à l'honneur à La Baule. Un grand ciné-concert hommage à Lalo Schifrin sera donné en sa présence au Palais des Congrès Atlantia. Et une rétrospective lui sera consacrée. L'Argentin recevra aussi à Paris cette semaine le grade de commandeur des arts et des lettres par la ministre de la Culture. Et pour Steve McQueen, une expo photo lui sera dédiée à la chapelle Saint Anne. Mais le festival, c'est avant tout 44 films projetés, dont 22 longs métrages en avant-première, 7 en compétition, dont Tour de France avec Gérard Depardieu en avant-première ce soir 20h30 au Gulfstream. Il y a aussi des masterclass pour le grand public en présence évidemment de grands noms du cinéma. Votre mission, si vous l'acceptez ce matin, ma chère Dolores, me donner le jury. Il est présidé cette année, oui, par Richard Berry, qui a joué notamment dans L'Union Sacrée, Pédale Douce, L'Immortel, La Baule les Pins ou 15 août avec aussi Le Décor de la Baie. Le jury, lui, est composé de la chanteuse Ina Modja, qu'on connaît bien, l'acteur Richard Anconina ou bien l'animatrice Maïtena Biraben. Plusieurs prix sont remis, dont l'Ibis d'or qui récompense le meilleur film. Avec Christophe Baratier et décoriste Sam Bobino, l'organisateur du festival est avec Léo Gautret. Donc vraiment, l'identité musicale est importante puisque c'est l'identité de ce festival. Le jury va être très très influencé par la musique. L'une des conditions sine qua non des films sélectionnés, quels qu'ils soient sur le festival, c'est que la musique soit originale ou parle de l'univers musical, ou même parfois même que la musique soit au cœur du sujet du film. Et d'autres ibis seront décernés, meilleur scénario, prix du public, acteur, actrice, lors de la cérémonie de clôture, c'est ce week-end donc à La Baule. Toutes les infos et le programme complet sont sur le site www.festival-labaule.com et on va mettre plein d'infos sur la page Facebook de la radio itwest.com. Merci Dolores. Ah, le 7e art. Et puis les bandes originales de films, ça pourrait être une BO d'ailleurs. Spirits des Trombellas à 8h40 sur It West. My head and they won't go.